depuis cette fin de matinée. Comme disait Sylvain, on espère que vous avez bien mangé. Bienvenue sous ce beau soleil breton, n'est-ce pas? Qui était là ce matin? À la session de ce matin, qui était là? Là, ouais, ok. Non, sinon, tout le reste des nouveaux. Bon, ok. Alors, on va refaire les présentations. Habituellement, ça se fait en fin de show, mais moi, je le fais à l'envers pour que vous puissiez identifier et visualiser chaque rider. Je me présente parce que j'ai le micro. Donc, je m'appelle Mike, Acrobikes 22. Une petite équipe de pilotes, donc spécialisés dans l'acrobatie moto, le stunt à proprement dit, du drift, c'est plus la glisse, vous verrez ça tout à l'heure avec notre spécialiste. Je vous présente l'équipe, et après une petite mention particulière pour la relève, le jeune qui était avec nous. Donc moi je me suis présenté, je roule pour le stunt avec ce Honda 600 CBR, et vous me verrez tout à l'heure évoluer pour le drift avec un CBR 1000 RR. Ici, pour m'accompagner en stunt, nous avons, avec le GSXR repérable quand même, Guigui, s'il vous plaît. Guigui, on va avoir besoin de vos encouragements, je peux vous expliquer tout ça. Donc là, Guigui ici, le stunt, l'acrobatie, sa spécialité, les stoppies, pour ceux qui ne connaissent pas, vous verrez des prises d'élan et le tout sur la roue avant avec des petits exercices de précision si ça passe. Ici, pour le drift, uniquement de la glisse, il n'y aura pas de roue avant ni de roue arrière, avec une BMW S1000 RR, 200 chevaux, au moins ça. Est-ce qu'on peut applaudir notre pilote Dickey, s'il vous plaît? Il y aura du oui, de la fumée, du travers. Et sinon, le petit dernier, Léandro, en gros cylindré pour le stunt de moto, AMT07. Donc il y en a qui peuvent se dire AMT07, moto école, etc. Toi, t'as même pas l'âge d'avoir le DSR déjà, même d'être en mode. Léandro, un tonnerre d'applaudissements, il a 13 ans. Il a 13 ans, le petit Léandro, la relève, et vous le verrez comment il maîtrise ses engins. Je dis c'est parce qu'il a une 636 Kawasaki, et pour nous accompagner pour le drift, il roule en Gex, vous verrez tout à l'heure. Bon, je vois que ça écoute, c'est studieux, et moi j'ai toujours une petite habitude, parce que pendant le show, nous on présente notre spectacle, on a besoin de vous pour nous accompagner et nous encourager. Alors, ici, est-ce que vous êtes chaud côté là, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes chaud? Pour un premier essai, franchement, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas encore assez. Vous avez entendu? Un petit peu quand même? Ici, est-ce que vous êtes chaud? Ouais! Eh bien, pour un premier essai là, eh ben, c'est bien aussi. En fait, je vous l'accorde, en effet. Ils sont plus que vous. Mais ici, est-ce qu'il y a du bruit? Ouais! Voilà, c'est mieux. Et là? Ouais! Ouais! Et deux côtés ensemble, je veux un maximum de bruit et après on lance les festivités. Est-ce que vous êtes chaud des deux côtés? Ouais! Ça c'est cool! C'est cool! Alors mon petit Léandro, t'es chaud à ouvrir le bal? Ouais? T'es chaud? Il fait le timide, le petit Léandro, MT07, on va se préparer. Dans deux minutes on est là, à tout de suite! MT07, ça va commencer direct, regardez l'aisance, regardez ça, la relève est là pour sûr. Allez, encouragez-le.
Celle-ci, c'est sa toute nouvelle, sortie fraîchement pour cet événement. Allez, on va se passer. Allez, tentative. Regardez. Pas loin de 200 kg, au ralenti, en flat. Tour ralenti moteur, il lâche la main de l'accélérateur, il est en confiance, le petit Landro. Ah, on l'applaudit s'il vous plaît.
C'est beau, stabilisé. Ah, il n'y a pas cette vitesse, c'est foutu.
Allez Lily, on va tenter un exercice de précision. Allez, c'est parti. Il va s'arrêter sur ses pieds, tu vas voir. Connerie que j'avais fait à l'époque comme ça. Est-ce qu'on va par là? Une demoiselle. Allez. Allez, une demoiselle. Allez, toi. Allez, viens par ici, vite. Par là. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, c'est tour, c'est tour. Ouais, bah tant mieux. C'est là, moi, je fais des tests, mais je connais le truc. Quoi. Après, ça va être toi. Moi, je mets juste la main comme ça, mais pas toi. Là, c'est bon? Je vois pas, t'es trop loin là. Allez, gamin, pour la précision là. Oh, 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 oh. Évaluer la distance, gérer son transfert de masse, se jeter en avant, sur les freins. On y est, on y est. Devant lui sur la figure que tu viens de voir, tu vas tout simplement, ça va être joli pour les photos et les vidéos, lui prendre le casque et essayer de lui faire un petit bisou sur la visière pendant que la moto est comme ça, donc quasiment sur la fin. Je reste à côté, pas peur, c'est sur un casque, t'as peut-être ton petit ami, il est jaloux, et ben c'est pas grave. Allez, précision, un bisou, je n'ai pas ton casque s'il te plaît, c'est pas la foule. Allez, vas-y. Boom, 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 boom.
Je crois que j'ai déjà vu des morceaux de feu. Le DJ en train. Allez, ça revient au bout. Ah, il y a du bruit là-bas. Ils ont parlé qu'il y avait un champion. Le ski en travers. Allez, ça revient par là. Tu vas le garder un petit peu. On va faire rouler Léandro, tu reviens avec nous après. On le salue. Il revient après. Allez,
Oh, my God.
téléphone. Je pense que tout le monde va rentrer. Là, ça va être le bordel.